Maud et Laurent, c'est fini. Le 1er octobre 2022, l'agriculteur, âgé de 43 ans, a pris la parole via une vidéo partagée dans sa story Instagram aux côtés de Jurandstar, pour évoquer sa séparation avec celle qui lui avait fait chavirer le cœur. « Je suis avec mon Lolo. Je suis content de te voir avec le sourire parce que j'ai appris une mauvaise nouvelle. Tu n'es plus avec Maud ?» a commencé le blogueur. « Non, c'est très récent. On n'est plus ensemble. On avait des objectifs privés et professionnels différents. Je vais m'accrocher. » a répondu l'ancien candidat de l'amour et dans le pré, le cœur lourd. Pourtant, au mois de mars 2022, Laurent fêtait ses 3 ans de vie commune avec Maud. Mais en coulisses, les deux tourtereaux n'étaient plus sur la même longueur d'onde. Quelques jours après cette annonce choc, l'agriculteur a décidé de créer un nouveau compte Instagram. Maud, quant à elle, avait pour objectif de disparaître d'Instagram, mais la réalité est bien différente. Tout le monde le sait, une rupture amoureuse est parfois synonyme de tri. Et ça, Maud l'a bien compris. L'ancienne compagne de l'agriculteur Laurent avait décidé de supprimer son compte Instagram pour digérer seule sa séparation. Mais comme le dit l'adage, la nuit porte conseil. C'est la raison pour laquelle la jeune femme a pris la parole sur son compte Instagram. Ce vendredi 7 octobre 2022, pour annoncer une bonne nouvelle, elle reste. Pensée positive. Merci à tous, vos pensées bienveillantes et mots de soutien m'ont été d'un grand réconfort. A-t-elle débuté, avant d'évoquer sa volonté de rester sur Instagram, pour être au plus proche de sa communauté. Suite à vos nombreux messages et demandes de nouvelles, j'ai décidé de garder ce compte où je continuerai de partager mon quotidien avec vous. Altruiste et positive, je reste connectée aux gens et à la nature. Je souris. Car je suis en vie. Prenez soin de vous, a conclu l'ancienne participante de l'amour est dans le pré. Tout est bien qui finit bien. Pour découvrir la publication de Maud, c'est ici.